Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 22 de notre incroyable aventure sur Star Wars, évidemment Jedi Survivor. Et j'ai reçu un collector de fous furieux pour le jeu limité à 3000 exemplaires dans le monde. C'est la réplique parfaite du sabre laser de Cal Kestis et je suis trop content. Vous savez à quel point l'univers de Star Wars, je l'aime. Oh, ça c'était stylé ça. Ça c'est la première fois que j'en prends un pour le jeter sur l'autre. Ok, allez, analyse-moi ça BD comme d'habitude, 4K 60 FPS, un petit truc à boire et à manger. On n'oublie pas détermination. Le petit like en avant, voyageur. Et le petit encourage. Commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est fermé. Oh, waouh. Attendez. Ok. Pas de soucis, on a un petit trésor, donc vous savez quoi? On va évidemment le prendre. Un gros trésor, waouh! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un truc légendaire! Oh là là là, mais c'est quoi cette tenue? Elle est exceptionnelle. On va l'utiliser dès qu'on quitte la planète. Pas de soucis là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Waouh! L'Empire nous a apporté un nouveau jouet, mon pote. Mon amour à la perte de vous. La fille de Dave est plus cool. Waouh. Ok. On va agrandir le sabre. J'ai pris des dégâts. Ok. Oh, c'est vraiment pas sympa, hein, BD. Il a été littéralement ok, sabré en deux. C'était c'était un élite. On peut pas appeler ça un boss non plus. On peut pas appeler ça un mini boss. C'était plus un élite. Il était pas si dur que ça en vrai. Ok, ok. Bon, il est surtout mort et ça c'est le principal. Là on a quelque chose. Mon œil de lynx me dit qu'il y a quelque chose de fou là-bas. Ok. On peut encore monter. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre ici. Hop, on fait travailler les abdos, Cal. Ok. Très bien. On peut facilement être dévié de sa trajectoire ici. Oui, c'était du Avançons prudemment. Merde. En fait, c'est la suite. Oh, je pensais être giga intelligent, mais c'est juste la suite. Ok. Ok. Attendez, on a un problème là, non? J'ai bien peur de savoir où il faut aller. Ok. Très bien. Là, on a quelque chose. On prend. Superbe. J'avais localisé. La justice. Le pommeau de la justice. Ok, c'est embêtant. Peut-être passer par là. Oh non. Ok. Oh, qu'est-ce que je suis con, putain. Je l'avais pas vu. Allez, on va passer par ici. Et on repassera par là. Ok. C'est quoi le but? Aller dans la plus haute montagne? Oh, c'est bon, j'ai le but. J'ai totalement le but. Ok. Très bien ça. Waouh. Ok. Non. Ah, je vous ai pas vu. Ok, on a eu chaud. Très bien. Ça, on prend, évidemment. Meryn veille sur nous, BD. Ok. Bon, pour l'instant, on est... Oh, ah non. Pour l'instant, on est assez serein. Quant à notre capacité de Jedi. Il y a un bail là-bas.
les excavations atteignent ce temple. Ils en envoient une autre. Je vais être là pour le premier. Ok. Bah oui. Allez, dégage. Ok. Ça va nous donner de l'élan. Ça va nous donner de l'élan. Ah, d'accord. Non, j'ai pas compris. Bon, écoutez, pourquoi pas, ça passe. Oh non, oh non. Oh. Ok. Un steam bélier. C'est pas passé loin. Qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Et là. Allez, un point de compétence obtenu. On est où là? Ok, vas-y, pirate-moi ça, non? Vas-y, déjà scanne-moi ça. Ne cherche pas la voie. Ça, reste je ne sais immobile, c'est quoi. Et la voie sera dévoilée. Je sais c'est quoi. Facile à dire quand on repose déjà en paix. Alors. Pourquoi il descend pas? Oh, comme c'est embêtant! La crypte d'Ourma. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vas-y, scanne-moi ça. On va amener ça à Sir Task. Un droïde et son maître. Où ça? Je comprends pas l'intérêt de cette crypte là. J'ai pas saisi toutes les possibilités que la crypte nous offre. La Messa tempétueuse. Ah. Ah, attendez. Attends. Oh putain. Voilà. Ok. Oh, je suis foutu. Ouais, je suis foutu. Ok. Mais est-ce que ça veut dire que... Il y a un problème là, non? L'ascenseur, il m'a rien dit en fait. C'est trop bizarre. Il appuie sur le bouton, mais rien ne se passe. Et il dit rien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, ok. Ok, j'ai compris. Très bien. Oh, waouh. Très bien. Oh, waouh. Ok. Ok, ok, ok. Oh, waouh. Allez, tu peux y arriver.
Mais comment tu fais pour avoir une voix aussi aiguë? Moi, c'est Cal. Lui, c'est BD1. Je m'appelle Pili. Je ne m'attendais pas à voir des pèlerins aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais ce que je peux, mais très peu de choses poussent ici, comme vous pouvez le voir. Vous devriez aller dans le système de Kobo. Tout pousse là-bas. Ça a l'air merveilleux. Je m'y rendrai peut-être. Dites seulement au barman du Pailoun Sabu. Ah, nouvelle recrue, Pili. Très bien, ça. Pili la botaniste. A été recrutée dans le jardin sur le toit. Super. Agrandissement du jardin. Maintenant que vous avez recruté, on peut agrandir le jardin. Ouais, mais on a toujours... On sait même pas à quoi sert vraiment le jardin dans le jeu. Et ça, c'est terrible. On sera sûrement à la fin. Mais je crois qu'il n'y a pas grande récompense à faire le jardin. Ça permet de rejoindre le pont. Ok. Oh, waouh. Oh, waouh. Qu'est-ce que j'ai branlé? J'ai fait tout le tour. Alors, attendez, on va y arriver. Donc, ça veut dire que... J'étais sur la mauvaise voie depuis le début? Une botaniste dans le désert. Elle devait être complètement perdue. Non. Ou à la recherche de sa voix. Dis que le fantôme est ici. Quelqu'un l'a vu dans mes parages. Peu importe. Fantôme ou pas, j'aimerais bien voir quelqu'un essayer de s'attaquer au nouveau vaisseau. Et comme tu es là. Oh, j'ai un visuel. Compris. On est des proches. Ok, allez, ça dégage. Très très bien. Là, on a une prise pour s'accrocher à haut. Là, on a le fameux ascenseur. Il marche. Oh, wow. Cette formation rocheuse, elle me dit quelque chose. Ah, une. Alors, un. Un, deux. Un, deux, un. Ok, on verra plus tard. 1, 2, 1. C'est en termes de piliers cassés, non cassés. Et haut et bas. Très bien. Regarde ça. Le pont vers le sanctuaire du pèlerin. Ok. Vache. Intéressant. Un, deux, un, toujours. Il y a un monde où... J'aurais besoin d'une pause. Ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. Il y a bien un monde où... Allez! On se repose. Compétence, ça va attendre un petit peu. Allons-y. Ok, ok, ok. Oh, le merdier. On sait jamais par où commencer. Ok. Oh. Oh, oh, oh. Il faudra montrer ça aux anachorètes. Ok, parfait. Et on commence à avoir pas mal de parchemins à échanger contre des skins, ça c'est plutôt cool. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais il y a une unité impériale. Je me suis dit que je devais te prévenir. Ça me va. Passe devant. Ah. Ouvrez bien l'œil. On m'a signalé que le Jedi était accompagné d'une sorcière. Tu as dit... Ensemble, Cal. Ok. Ok. Ça dégage. Et ça dégage. Ben voilà. L'Empire a trouvé. Mérine ? Un instant. Aucun problème. Ouais, le gros bot, il est... Enfin, le gros robot, il est pas aussi compliqué que ça. Ça m'a
m'impressionne toujours. Tu n'as pas encore vu toute l'étendue de mes pouvoirs, Calcestis. N'oubliez pas que je peux envoyer mon sabre, hein. Voilà, ça c'est un petit kiff qu'on a oublié pendant un tiers du jeu, ça fait plaisir. Hein. Attends, je fais un peu de zèle. Ok. Ça mène à quoi cette petite douceur? Ok. Attends, juste pour ça? Et les skins, les gars. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Tu crois pouvoir y arriver? Pas sans aide. Alors c'est une bonne chose que ce chemin ait été tracé par des éléments. Ah! Entends ça? Les ruines chantent. Ça vient de cette salle. Alors trouvons le moyen d'y entrer. Et voilà. Ok, ok, ok. Oh, quel merdier. Là, on a quoi? Oh, bien. Un petit écho. On commence à se régaler, hein. Nous avons fait tout ce chemin pour mourir ici. Aucun trésor ne vaut la peine de mourir pour lui. Ok. Vache. Oh putain, j'ai cru que j'allais mourir. Très très bien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là, bonus sur bonus. Plusieurs siècles. La force est puissante dans cet endroit. Ouais. Ouais ouais ouais. Ok. Alors, je ne comprends pas. Superbe ça. Ah, c'est giga stylé hein. C'est giga stylé hein. Waouh. J'aimerais bien ça dans une pièce de ma maison. Ok, une petite corde. Et là. Ok. Ah oui, il y a carrément des micro-orages en bas. Ça fait un mini-cyclone. Waouh. Ok. Délire. Donc ça tourne. Je suppose que... Et... Te revoilà. Salut. Le camp de travail impérial sur Maza. La garnison est à moitié vide. On peut frapper avant que les renforts n'arrivent. Ça semble prometteur, mais... Meryn et Grise ne sont toujours pas revenus au vaisseau. Dès qu'ils sont rentrés, je partirai en éclaireur. Et eux, ils se reposeront. Tu sais bien qu'ils refuseront de se reposer tant que tu seras en danger. Tu n'abandonnes jamais. Et à vrai dire, c'est ce qui nous inspire tous. Mais tu dois te rappeler que là où tu les conduis, ils te suivent. C'est vrai que je force pas mal ces temps-ci, mais... Depuis que Grise a été blessée... Tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé à Grise. Mais depuis ce jour, tu prends trop de risques. J'ai tout le temps peur qu'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous.
C'est une bonne chose d'avoir conscience de tes peurs. Mais ne laisse pas ces peurs tracer ta voie. Concentre-toi sur le présent. Choisis-toi un chemin et agis avec certitude. Et dis-toi que quels que soient les risques, tu peux y arriver. Cal, tu dois croire en toi. Croire en la force. Exactement. Par quelle magie? Ok, par ce petit trou, je me suis retrouvé ici. On peut plus reculer. Concentre-toi sur le présent. Et on force le passage. Ok. On va devoir foncer au cœur de cette tempête. Prépare-toi, Abedi. Ah ouais. J'ai toujours su où me guider, même quand j'ignorais ma prochaine étape. J'aime bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Vois par toi-même. La ruée de la force. Oh là là là, mais il s'arrête jamais en fait. Peut-être arriver à me suivre maintenant. On va bientôt le savoir. Que font les Impériaux? Ils sont près de l'entrée. Ils attendent quelque chose. Alors on a encore du temps. Ok, ok, ça c'est super. Ah, waouh! Mon frère Arya, c'est toujours à l'intérieur. Séparons-nous. Je vais distraire ce monstre. Fais attention. On se retrouve à l'intérieur. Ok. Très bien. C'est vraiment, vraiment stylé, hein, tout ce qu'ils ont rajouté. Hein. J'étais en mode, je vois pas comment Fallen Order, ils peuvent le rendre plus intéressant. Mais en fait, c'est incroyable. Ils ont littéralement pensé à tout. Et ça, c'est juste fou. Il faut bouger. Il faut bouger, alors j'ai bien compris. Le level design est aussi assez ouf en vrai. Hein. Très, très bien pensé. Hein. Attendez. Oh la vache. Faut que j'aille jusque là. Ok. Vous savez que cette ruée peut tout changer hein, sur le level design et tout. Hein. Les trucs qui étaient inaccessibles et tout, ça promet d'être assez exceptionnel. Hein. Ah. Waouh! Première fois qu'il me fait ça. Cette unité résiste. Média reçu. Contact avec lui. Ok. Allez. Oh! Oh! Attends, je peux. Tu veux me dire que je peux l'envoyer? Ah non, je peux pas l'envoyer celui-là. À part pour une exec. Ok, très bien. Allez, c'est là où on va faire la ruée, les amis. Let's... Oh, quoi? Ah ouais. Je l'avais pas vu, ça. C'est maintenant ou jamais. Ouais, je l'avais pas vu, ça. Les vents sont avec nous, maintenant. Allez, dégage. Et toi? Ça dégage. Ok. Je suis blessé. Hop, hop, hop. Ouh, en bas, il y a quelque chose. En bas, il y a quelque chose.
Ok. Ouais, on peut pas. Ok, ça devient embêtant. Suis-je bête? Ok. Quelque chose derrière là, je suis pas fou hein. Cette manœuvre va demander un peu de préparation. J'espère que Meryl pourra les ralentir. Je ne suis pas fou là. Oh waouh. Ok. Effectivement. Il fallait bien aller là-dessus. Comment ça va, BD? La vache. Tu t'amuses bien? Ok. En fait, c'était la suite logique des choses en termes de chemin. Ah ouais! Technique, technique! Oh là 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 là. Ok. Oh non. Oh oh. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. La vache. Hyper technique. Ok, mais comment eux ont fait pour arriver là en fait? Ils ont été déposés en hélico ou quoi les gars? Ok. Comment on peut faire? Ok, et ensuite... ça sert d'aller là en fait, c'est ça que je piche pas. Bah que dalle je crois. En fait c'est pour se rattraper au cas où hein. Ok. Très bien. Bon bah écoutez. Je pense que c'est pour se... Oh waouh, j'ai failli mourir. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un raccourci? Ah, pas l'air d'y avoir grand-chose, hein. Ok, ok. Incroyable. Mais ça n'empêchera pas l'Empire de le réduire en poussière. Très bien. Ah, il y a beaucoup, beaucoup trop de choses. Complexe, complexe. Hey, cette entrée n'apparaît pas sur les scanners environnementaux. Peut-être qu'ils sont bloqués ailleurs. Peut-être qu'il y a des grottes. On va pas mourir ici. Attention, grenade. Oh merde. BD, j'ai besoin d'aide. Ok. On va pas y arriver. Mort. La fâchée de l'avoir trouvé avant l'Empire. Tout ceci est fort embêtant. Oui, mais ça c'est la... C'est la meuf ça qui peut créer l'espace, non? Je vois pas trop ce que j'ai à faire, moi. Elle est là?
Non, c'est de là où je viens. Oh. Ah ouais, j'ai compris. Il faut que la meuf soit là. Parce que là, il y a un truc pour, vous savez, vous courir dessus, là. Enfin, pour courir dessus, pardon. Ok. Tout ceci est fort embêtant. Et mademoiselle n'est pas là. Et si je fais ça? Non. Bah oui. Oui, oui, oui. C'est embêtant, ça. Ça, c'est très embêtant. Faut lui tomber. Comment faire ? Ah oui. Le frère Armias ne pourra pas se cacher éternellement. Il fallait le voir. Ok. Tu sais quoi faire? Un asile pour tous ceux qui le cherchent. Ça sonne trop beau pour être vrai. Le sanctuaire du pèlerin devrait être l'endroit idéal pour le refuge. Sa proximité avec les archives est idéale. Grâce à tes talents, ce temple pourrait redevenir un havre de paix pour les nécessiteux. Ok, ok, ok. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde! Bye bye, le temple du sanctuaire. Ça risque de swinguer là-dedans, je vous le dis! Allez, à bientôt tout le monde!